Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Alors monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous vous présentons nos excuses pour le retard. Vous allez comprendre que le maire a dû traverser sa commune, une commune sous la boue et sous de grosses pierres, sous les eaux également, et ceci depuis dimanche. On dit merci au maire Jude-Édouard pour le sacrifice qu'il a consenti pour arriver à Delma 52 ce matin. Magistrat, bonjour. Merci parce que vous êtes d'accord avec nous matin pour participer dans le point. Bonjour Wendel, bonjour à auditeurs, auditrices, bonjour à téléspectateurs, téléspectatrices et radio Télémétropole. C'est avec un pile enthousiaste que nous te recevons l'invitation hier parce que nous pensons que Guinée-Marie pour nous parler sous Carrefour, Guinée-Marie pour nous parler sous collectivité en général, sous ensemble mairie, et Guinée-Marie pour nous parler pour Villa, et que mm-hmm. c'est un podium intéressant pour nous devenir la matinée. Nous faisons l'effort pour nous. Mais comment ça y est, qui j'en cafouillé? Ah, mais Carrefour, je dis, depuis dimanche, son ville qui est vraiment en situation difficile. Par exemple, dimanche soir, ben, si on va, comme pour moi, je pense qu'il est apocalyptique parce que je vais songer en mémoire et pour là, plutôt bien si peu de temps, il y a autant de dégâts justement qui causaient. Et nous avons effectivement mobilisé Méria et avec un seul bac l'odeur que nous avons. Mm-hmm. T'es arrivé dégager voir fait que hier matin mon cycle normalement avec contre travaux. Un gros bagarre sous dit là qui attire attention tout c'est dégâts en un si peu de temps. Inondation voilà. Il y a parce que moi-même tout m'a traversé Carrefour presque chaque week-end. Oui. Je trouvais que c'est surprenant. Surprenant. Et que c'est que en rien de temps il y a tout dégâts ça. Effectivement. Et mais ça qui passe c'est canaux qui bouché. Effectivement. Gagné canal et mon, et alors, Fotamaya 47 là, qui pas guitant curé, chaque jour t'avais la donne, Fotamaya la donne, chaque jour. Mais il te fait deux jours, il pas guitant curé, gagne un canal, disons 51 qui est Ravine Chaudeau, t'avais la donne chaque jour, mais pas avoir l'autre problème de gagner, il te fait deux jours pas t'avais la donne, malheureusement, la pluie avait une tombée, li, donc ça a gagné justement tout égoïo qui a ciel ouvert, et qui bouchait tout, parce que c'est là où j'étais fatra quand même, vous imaginez dans tout égo. On a juste fatra. Donc, ensemble, problème ça y est, il y a un déboisement tout. Il y a justement qui fait de façon vertigineuse. Il y a une construction anarchique tout, dans le monde qui crée un peu de souci. Et franchement, monsieur, dame, 9h du soir, dimanche soir, Carrefour, franchement, j'ai pleuré comme un enfant. Mm-hmm. Parce que, on dit, vous faites monter dans l'administration, pourquoi même une signature, même gaz, ou pas besoin une possibilité. Pour faire même si tu gagnes comme sous côté mairie alors que on dit garçon ça passé ça qu'on va préparer pour lui on a crié donc ça veut dire que au prix au dépourvu totalement dépourvu on a crié tout ça au gain perdu sur le cas y a abdomi mais c'est des images franchement et qui dit ou même comme citoyen bon les catastrophiques mais pas apocalyptique quand même mais c'est étonnant parce que tout côté inondé en si peu de temps. Bon, effectivement, je lance un appel à son radio-sœur. Effectivement, le gouvernement prend mail, il est conformé, il fait ça que vous le faites. Il dit qu'il y a une rencontre de coordination. Nous acceptons que la ville est vulnérable. Nous acceptons qu'il y ait de nouveaux élus, qu'il y ait des discussions qui peuvent être avec eux. Et Maïssa Rabo, pour s'en faire même travail avec M. Pacham Domito. Je pense que c'est une énorme piste de soleil, pareil. Et je pense que le gouvernement, hier soir, il a envoyé matériel pour nous. Nous dégager voyous, nous commencer à faire enlèvement. Mais matin, vous me venez dans le passé matissant. Mais franchement, Wendel, il faut aller voir. Mm-hmm. Franchement. Oui, il y a quelques images. Il faut aller voir. Il y a quelques images que nous sommes gardés là. Et la promptitude. Nous la promptitude de Maïssa, Port-au-Prince, Zaminou, Chevry. Et appui logistique, matériel, CNE, travaux publics. Franchement, nous avons ça passé. C'est rôle nous, c'est rôle yo. Même pensé de façon spéciale, il faut nous saluer justement. Et promptitude avec laquelle et CNU Travaux publics t'a aidé nous hier pour nous dégager voyou. Et matin encore, ouais, pour nous venir là, pas de même souci par rapport à avant hier parce que nous avons fait tout le matériel, nous avons Carrefour. Et jusqu'à 4h15 matin, nous avons fait un travail pour nous. Nous avons fait un enlèvement parce que nous avons fait un choix. Ça veut dire qu'on n'a pas dormi?
pas dormi du tout, je n'ai pas dormi là. Je n'ai pas dormi. Depuis dimanche. Ça, ouais, depuis dimanche. Bon, job là douce, mais job là gagne. Je suis pas chargé. Ouais, mais comme jeune tout, comme citoyen, je pense que c'est, ça vaut la peine que nous connaissions. Mais est-ce que vous dans le moment où vous êtes candidat, vous pensez que vous allez faire face à ça? Plus que ça. Non, est-ce que tu attends à un type de problème ça? Je connais la ville, c'est une directeur générale pendant 5 ans, fait 2 ans, magistrat de transition, je connais la vulnérabilité du Carrefour. Non, en si peu de temps? Non, mais ça me l'a dit, D'ailleurs, Ousso dit dans le commencement de l'émission que vous pouvez même songer qu'il y a une fois nous pond la pluie qui fait autant de dégâts. Ça me balade tellement à ça qui passe hier là. C'est ça me dit. Parce que normalement, ça arrivait mon lieu déjà que je suis obligé de dormir Carrefour pendant ma absence de Jacques Mel. Mais son mari, il y a n'importe qui gagne pile de temps. Non, mais au gars hôtel quand même. Ouais. Au gars hôtel Carrefour. Mais moi, il y a pile de temps, nous prend la pluie, mais pas ça. Pas ça. Ça qui passe. Et est-ce que c'est l'environnement qui est dégradé à un point tel? Moi, bon cause, oui. Il y a un déboisement qui fait de façon vertigineuse, il y a une construction anarchique dans la tête, il y a une absence de l'État, Myria, dans l'attribution permis de construire. Il y a une défaillance totale. Hein. Il faut le reconnaître parce que nous disons, je dis, que nous dirigeons, nous ne pas dire. Donc, une absence d'autorité de l'État. Comment on va l'adresser ce problème ça? Ah, mais c'est clair. On ne peut pas avoir une bataille contre une construction anarchique, sinon, c'est les cimetières qu'on a construit. Sinon, c'est cimetière n'a pas la population. Parce que regarde les conditions de vie, mon petit cage, mon bois de jute, conditions de vie, mon rivière froide, eh bien, tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est des constructions anarchiques. Ouais, mais qui j'en vois l'adresser, ça va le faire. Nous devons le faire. C'est ça qui l'a eu, pas dire, moi, le cas de Kaikafou, je n'ai pas de possibilité ça. Mais c'est renforcer ça qui l'a eu, empêcher l'extension. Parce que ça qui l'a eu, il l'a déjà. Nous n'avons pas gagné une politique de logement sociaux. Oui, l'ordre déjà, magistrat. Ça veut dire que vous attendez trouver à n'importe quel moment de la durée. C'est renforcé, ça nous renforce. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le mentir, dire que nous avons la constitution anarchique. Le dirigeant a besoin de faire, ouais, il fait des promesses faramineuses, des promesses qui ne sont pas capables de rien, des allégations infondées. Nous-mêmes, nous sommes là pour nous démarrer, pour nous respecter la parole donnée. Et si vous ne pas respecter la parole donnée, ou pas dirigeant, ou pas autorité sur la population, il y a la constitution anarchique qui fait dans ces deux endroits, effectivement, il n'y a pas de raison d'être là, nous avons retiré. Mais nous ne pouvons pas dire que nous allons mener une campagne de démolition des constructions anarchiques Carrefour. Parce que 80% des constructions Carrefour fait de façon anarchique. Ça veut dire que c'est à balayer ville là. Donc c'est utopique quand même, il faut le reconnaître. Mais il faut empêcher l'extension. Il faut empêcher que cela ne se reproduise. Il faut empêcher que justement, par population, par une tentative, par rien, pas voulu à le faire l'autre bagaille. Il y a des zones, je dis, ne pas être sous cette rivière froide. Mais on va crier, ça fait la peine. Ça, effectivement, nous va l'empêcher. Effectivement, pas une construction nouvelle qui a fait sans que ta République, mairie de Carrefour, pas entendre sur l'attribution de permis, sur compétence partagée par l'État et le ministère public et les municipalités. Malheureusement, pour raison de l'autre mairie, pas jamais sollicité au public pour avoir motivé sur l'attribution de permis. Mais nous prenons comme engagement nous-mêmes que nous ne pouvons pas avoir permis sans que nous pas un visa à vie. Pas parce que c'est tuteur, non, pas du tout. Mais parce que justement, l'expertise t'as oublié que mairie a pas gagné. Faut reconnaître ça. Nous avons fait mise en détachement de ensemble de techniciens t'as oublié qui viennent évaluer pour moi. Bah obligé vous il va là bas ministre pour le signer pas du tout. Donc il y a pas un ingénieur t'as oublié qui vient dans la mairie essentiellement qu'à analyser permis avant moi attribuer. C'est-à-dire une responsabilité partagée. Que nous engagés sous attribution permis qui sont véritables dangers. Mais qui est-ce que vous avez fait mon cas pour faire votre ville là, mon Québec propre, bataille contre embouteillage, faire promotion pour sécurité publique, pour mon cas. Mon cas connaît que si on dit que mon cas qu'on n'y a pas parlé de votre présent avant, non, pas du tout. Mais ça, irresponsable. Ou pas qu'il y a 600 000 monde pour qu'on dit qui prend en ville là, ou après les centrales, ou pas digne d'être maire. Et c'est ça, mon cas connaît. Je ne suis pas capable de boucher tout le monde comme magistrat. Je suis 600 000 habitants, j'ai des taxes à payer. Je ne suis pas capable de mettre mes mairies à charger avec le monde pour faire un service. Je n'ai pas besoin de déployer la protection civile qui a fait évaluation. Il faut demander au ministère machine mal fait ça. Et c'est ça, Wilson, je dis fait que je salue. Que les rendent autonomes, effectivement. Les taxes et impôts ont été payés. L'utiliser pour le bail service. Il ne peut pas être calme son jeudi ou envie vivre ou fier d'être maire. C'est ça, nous demandons. Et ça, nous voulons faire. Donc, c'est ça qui fait que nous votons. Absolument. Absolument. Et pendant les 2 ans de la transition, c'est peut-être une langue à côté de transition réussie en Haïti. Nous voulons profiter de podium ça, Wendel, pour nous, ensemble, dire que nous ne pas accepter la transition encore dans le pays d'Haïti, nous ne pas accepter la transition dans le milieu encore. Parce que la transition démolit les efforts. L'ISAP est toute base, restructuration, construction.
municipal là. Parce que justement, les gens qui viennent en transition, ils ont servi l'élite. C'est mettre les gens qui peuvent faire pour le travail, faire comme aller. Alors que, il y a des efforts que les gens qui ont fait, et que les gens qui ne peuvent pas gagner sous ça, pas une préoccupation. Ça. Donc plus jamais, il ne faut pas jamais retransition dans le pays d'Haïti encore. Il ne faut pas jamais faire ça du tout, parce que là, ça n'a fait bac avec. Quel autre travail, Maïsra, ça arrête ton parole. Et moi, c'est question de débat. Pour pas pour transition. En demi-heure, même tout. Oui, mais c'est élection qu'on fait de façon régulière pour que. Pour... Écoutez. Mais c'est pas parole, c'est ça que nous faisons. C'est ça que nous faisons. C'est, fait, c'est ça idéal. C'est idéal. Voilà, c'est et ça. Et peut-être ça, que... nous allons le faire, par exemple, au niveau de la situation des maires, nous voulons créer le Conseil national des collectivités pour effectivement nous introduire un amendement à travers le Parlement dans la Constitution qui, au même titre que les parlementaires, il y a la rentrée parlementaire chaque deuxième lundi du mois de janvier, de la quatrième année qui suit le mandat du parlementaire, qui gagne aussi la rentrée des maires. Si il y a la rentrée des maires solennellement, il y a un amendement constitution qui dit clairement, chaque quatre ans, chaque troisième lundi, chaque quatrième lundi du mois de janvier, il faut qu'il y ait rentrée des maires, ça parler justement, on possibilité pour une régularité, au même titre, il fait élection de député, il fait pour magistrat, pour sénateur, tout. Parce que, pas de contrainte dans la Constitution pour faire élection pour magistrat. Je dis chaque 4 ans, mais la Constitution est plus claire sur le parlementaire. Je dis que chaque deuxième lundi de janvier, même si l'élection n'est pas faite parlementaire, elle est basée, elle est automatique. Donc ça va être pareil pour les maires. Et ça veut dire que. Alors, t'as dû être pareil. T'as dû être pareil. Mais Lundel, c'est aberrant. Et il faut, je dis d'où il fait, l'élection de la jeune, c'est aberrant. Ça veut dire que je pense qu'il faut nous entendre sur ce principe. Ça, alors, nous parlons de tout ça, parce que nous sommes sûrs qu'il y a des mesures de redressement qu'on prend tout, même nous capables de parler sur les. Mais bon, évidemment, ce n'est pas un maire en campagne. Il y a des questions que je n'ai pas qu'à poser. Parce que pas vrai. Non, il n'est pas plausible. Non, inutile, voilà. Inutile. Par rapport au contexte. Si on cotise l'électorat, par exemple, ça aurait les caresser la légitimité populaire. C'est ce qu'on fait. Là, il y a des questions que je m'ai posées par rapport aux promesses. Moi, c'est déjà un maire élu. Ou un exercice. Ou un exercice. Sauf que, on a annoncé que, on va d'accord pour un du feu prend. Pour après les bords de Prince d'une bonne. En vent. Non. En vent. Ça veut dire que. Si Dieu fait apprendre Dikini, avant moi le Bordeaux Prince, il faut pas m'amener sur place. Mais ça arrive que. Mais ça vient déjà voilà, pour là. Voilà, ça arrive que. Ça peut arriver tout. Que je n'ai pas assez équipé pour me faire toute bagarre pour comme. Mais directive, je n'ai pas pompier, je n'ai pas. C'est ça, oui. Non, mais est-ce que vous êtes en brillant voilà, déjà? Voilà, en brillant, je n'ai pas les meilleurs pompiers de la République. Je dis que j'ai une méconnaissance. De réalité municipale. Nous gagnons, Maïsra Yvon. Vous dites meilleur sapeur-pompier en termes de formation. Mais ça me dit là, nous n'avons pas fait de l'air. Oui, oui. C'est ancien ministre intérieur, ancien délégué de Mandal Noa, qui était formé, M. Sayo, et monsieur, c'est une référence dans le pays. Oui. Moi, non, il échappe moins. Il n'y a pas équité, on compte de qui on soit pas là. Effectivement, non. Et M. Sayo, là, vendredi, je vais nommer nouveau commandant-chef. Du corps des sapeurs-pompiers de Carrefour. C'est un véritable symbole. Zéphirin. C'est un véritable symbole de ça que fait le monde de Carrefour. Nous gagnons la lutte contre la salubrité. Nous avons pris comme engagement de campagne. Nous avons fait 4 ans à Massifatra. 4 multipliés par 365 jours à Massifatra dans la ville. Là. Chaque jour, nous avons fait. Nous avons fait promotion pour la sécurité publique. Sécurité publique, là, c'est ça lié. Non, mais sous-titres, nous avons dit que globalité, c'est la sécurité publique sous-pompiers. Pour vous sous parce que. Non, alors, c'est sous question de Fatra. Oui, nous disons là. Est-ce que magistrat. Pour aller obligé de faire 4 ans après Massé Fatra, est-ce que par contre l'autre travail qu'il a supposé faire de préférence pour éviter que la rue en salle? D'accord. Parce que Massé Fatra vient nous bagarre après, d'accord. A posteriori. D'accord. Alors que, est-ce qu'on peut penser à des initiatives maintenant pour empêcher que la rue en salle? D'accord. Pour empêcher que Carrefour en d'accord. Salle? D'accord. D'accord, juste une élaborée sur Pompéa avant Massé Fatra, parce que c'est vraiment deux priorités. Deux priorités. Sur question sécurité, on dit sécurité publique, c'est en globalité, tout est à ciel ouvert. Fait partie de la sécurité publique. Oui. Protection civile supposée renforcée, les inondations, pour faire prévention, pour intervenir après inondation. Pompier, si il y a du feu Carrefour, je ne vais pas ouvrir les portes de presse avant, pour me réfléchir, c'est 10 commandants pompiers, activez-vous pendant que ou là, et puis port de presse en août. Parce que pour moi, magistrat, il y a un respect, faut qu'il a d'abord avant l'État central. Et c'est ça, je dis, fait. C'est ça. Mais ça, je n'ai pas 35 sapeurs pompiers bien formés. Je n'ai un camion pompier que depuis l'année de la mairie, je suis doté ville là. Avec un appui qui fonctionnel. Fonctionnel. Bon, toujours à le support de tous côtés. Toujours gagne de l'eau là-dedans. Fonctionnel. Non, est-ce que toujours gagne de l'eau là-dedans? Oui, toujours gagne de l'eau. Toujours gagne gaz tout?
au contraire, toujours gain gaz. Compagnie terminal qui sur la Bizoton, il y a un deal qui fait avec nous, il a assuré l'approvisionnement en carburant depuis 2 ans pour camion pompier. C'est une garantie que nous ne pas depuis 1 an, 2 ans, c'est toujours gagné. Hier soir, on était ensemble avec moi, il y a 10 avec pompiers dans la rue, qui nettoyaient avec moi, qui dégageaient voir. Nous avons fait 22 minutes, 23 minutes pour nous sortir de la rue Matissan, je dis, parce que pompiers, la police, la République, la mairie, c'est là que tu as intervenu avec CNE. C'est ça, oui, on t'assoit. C'est une coordination de l'action des autorités en faveur de la population. Si vendredi, on fait nommer comme un chef de sapeur-pompier, on va voir que c'est un véritable symbole de volonté pour m'aider à vivre là dans la question de sécurité publique. Il va possible. On a l'autre qui est là. Il y a un cas qui est effondré. On l'école est effondré. Je vais ramener là. Effondré. Que c'est Martinique qui a voulu expert pompier pour nous, monsieur. Vous avez dit, on République. Et pas un petit commune, et pas un petit quartier, non. La République haïtienne pas dotée de possibilités pour même pompier opérationnel. Non, nous pas d'accord ça. Moi, j'aime me souligner dans ce qu'on a dit, il y a un magistrat responsable qui pas, qui c'est pas un démagogue. Pas du tout. Et c'est pas un démagogue. Et ça, c'est ma vie, au fait. Et c'est que ça, c'est ma vie. C'est ma vie, on elle. Comment on peut comprendre nos papa, on a un caille, trois petits mounes, pour qu'il y ait trois petites, ils viennent contre les deux, ils disent au gangou, pour dire au gangou tout. On n'est pas responsable. Ça, c'est que moi, je suis pour payer les taxes. Je ne sais pas pouvoir s'installer avec l'argent. Je vais habituer à l'État où je suis fou. Si tu as bien déjà. Bon, et seule route nationale dans la zone métropolitaine, depuis 60 ans, pas jamais réparé. Pour qu'ils aient fait une stigmatisation, ils ont juste banalisé, vassalisé Carrefour. Hein. Même pas venu défendre Carrefour. On parle de tronçon. Tronçon initial là, voie principale là, ancienne route là. Wendel fait le pouvoir pour qu'il passe, non? Mais c'est un honte pour la ville, c'est un honte quand même. Et la mairie n'a pas l'argent pour le faire. Et le drame, c'est que il y a une restriction au niveau légal que les municipalités ne peuvent pas intervenir au niveau des routes nationales. C'est des voies, c'est des compétences qui sont vraiment exclusives au pouvoir central. Nous, là, on peut intervenir sur route secondaire, sur Boutelio. Et c'est là que nous disons que, une réflexion que nous faisons, c'est la voirie, le service d'appel-pompier, la protection civile. Où est-ce que vous avez fait dignité aux magistrats? C'est ça. Ah ben nous parlons ça. Nous parlons ça. Bien qu'on entende, comme on est qui fait camp, qui fait monter avec toute volonté, toute détermination. Mais nous m'avons bien content toi après 6 mois, font un bilan avec vous bientôt pour nous. Est-ce que en pile on sort d'io? Les films m'avons capable d'observer tout. Si car faut un changement capable d'opérer la dernière, m'avons capable de voir ça. Mais juste nous parlons font un campagne, font une pause et puis nous retournons après pour aller plus loin. Collectivité surtout. C'est ça, nos solutions qu'on entend porter à problème. Commune Carrefour à confronter. Merci encore une fois parce que vous acceptez là avec nous, Matéan. Et nous pouvons, merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le maire de la commune de Carrefour, monsieur Jules-Édouard, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. Avec notre invité ce matin, le maire de la commune de Carrefour, monsieur Jude Édouard. Avant de poser, nous allons parler de dispositions qu'on entend prendre pour que la commune, dotée d'un corps pompier efficace, qui est capable de répondre à des urgences. Et je me souviens qu'un gros pompier haïtien que je recevais là, il dit que contrairement à ça, moi, je pensais, côté que c'est l'organe du feu seulement et on fait appel à pompiers, ce n'est pas le cas. Et ou même on fait ça, on fait de pompiers, il y a un élément de l'ensemble des mesures qui visaient la sécurité globale de commune. Mais maintenant, on quitte la question pompiers, pour nous trouver une question de sécurité. Et groupe par le boucher. Et circulation au gonzio sous les tours. Absolument. Mais, on va mettre le bureau communal du transport. Ok. Mais tout ça, il faut que moi, on est dans mes riens déjà. Et commune Carrefour Guincob. Commune Carrefour Guincob. Parce que vous dites, c'est 600 000 personnes. Oui, commune Carrefour Guincob. Ne serait-ce que par le nombre d'habitants. Ne serait-ce que par. Et, alors, il faut me préciser que qui ça qui fait comme commune pour garder cette commune Carrefour Guincob. Ça qui fait comme commune aujourd'hui, c'est propriété bâtie et entreprise. Nous recensons aujourd'hui à Carrefour environ 70 000 propriétés bâties. Ça nous laisse CFP ou bien pour locatif là. 70 000 maisons. On nous avait dit, c'est énorme, un potentiel énorme.
C'est l'ensemble, c'est une population qui est vraiment redevable de la CFPB. Mm-hmm. Partant, c'est la deuxième source de revenus des communes de la République. 70 000 maisons, carrefour, même sur tes fonds moyennes, 1 000 gouttes, ça fait 70 millions. Vous avez quelqu'un qui a payé 100 000 gouttes, il y a quelqu'un qui a payé 1 million. Vous comprenez? Mm-hmm. Même sur fonds moyennes, 2 000 gouttes, ça vaut 140 millions. Ça qui passe avant. Moyenne. Ça qui passe avant. Ça qui va pas dire moi c'est comme ça ou pas? Alors, au contraire, il faut féliciter le travail qu'a fait M. Yvon Jor, ancien maire de la ville, mm-hmm. avec le projet USAID local plus qui a été exécuté par M. André Lafontan et coordinateur du GRID et qui fait que recette Méria est passée de 9 13 millions à 80 millions pour la première année qui a suivi ce projet de mobilisation fiscale. Mm-hmm. C'est ce que je vous dis. Il y a l'argent qu'on fout, mm-hmm. mais l'argent pas mobilisé. Les études ont montré que dans les 5 années qui ont suivi le projet, les recettes de la ville pourront être de 500 millions de gouttes. Mm-hmm. 500 millions de gouttes dans 5 ans qui suivent le projet A. Et recettes mairie qu'on fout, passer en moyenne qu'on y a de 60 à 80 millions. Donc, si on a un service, recettes là qu'on a triplé, mm-hmm. et l'argent là, et c'est 6 6800 cailles qui payent pour le locatif Carrefour. Mm-hmm. Sous alors, 70 000 ans. Mm-hmm. On s'en avait dit, Wendel. Oui, mais excusez-moi. L'argent, ça, c'est l'argent administré. Yo. C'est bon l'argent qu'on a arrêté qu'on s'offre et qu'on ou prend un projet. C'est bon l'argent qui est déposé dans le compte spécial Mérigagé. Mais pour la pauvre ville là, mais Carrefour, c'est jusqu'à aujourd'hui, nous toujours pas autonomes. Mais Carrefour autonome, méridiennement autonome, méridiennement autonome, méridiennement autonome, méridiennement tabac autonome. C'est trois catégories. C'est pas l'État qui paye, non? Non, pas du tout. Nous payons l'État pour quoi? Ah, mais bien sûr. Toutes les mairies comme ça? Pas toutes les mairies, non, pas du tout. Ça fait qu'il y a trois catégories de communes. Mm-hmm. Catégorie A, les mairies de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mm-hmm. Catégorie B, gain chef lieu de département et catégorie l'autre troisième catégorie que l'État totalement est subventionné à travers fonds de gestion. Et pour qui ça tout temps des manifestations mon voirie à manifester du haut plusieurs mois d'arrêt de salaire ça mais on va attendre ça qu'à jeudi par contre on va attendre ça qu'à jeudi comprendre ça on va attendre ça et Pétionville m'passé oui ça fait un tour on va attendre ça qu'à fou parce que justement mairie ça est autonome. Recette mairie Carrefour devait augmenter avec Maestra Yvon. Donc, ça ne fait qu'une qu'on peut employer. Mm-hmm. Mon transition, après la vie de parti, je dis à gagner 8 mois à Yéré et sous Carrefour, parce que mon depuis l'élection fin fait le 25 octobre, Wendel, je vais payer taxes. Carrefour, il y a tant de moins. Il y a tant de moins, et effectivement, ah, mais c'est clair. Demandez mon Carrefour. Gardez recette mairie avant l'élection, et recette mairie après l'élection, le fin de résultat que mis l'élection, ils n'ont pas payé, ils ont gardé leur argent pour. Notre mandat. En attendant votre arrivée. Et ça fait nous aujourd'hui à là, nous démarrer avec le travail que nous faisons et nous espérons que vous êtes sûr pour le tripler pour une première année. Nous faisons. Ok. Nous faisons. Moi, bien content qu'on ait une vision et ou prévoir que gagne l'argent disponible. Ah, mais c'est clair, il y en a. En retourne sur le factuel ou le ponctuel. Je vous dis là, il y a un problème grave qui présente Carrefour. Ou gagne moyen en mort. Comment dans 3, 4, 5, 6 mois, si on gros la puis tomber Carrefour et que difficulté que nous gagnons. Je vous dis là, il va bien encore. Ok, ça va nous faire d'abord, c'est doter nous de capacité d'intervention, d'opération immédiate. Faire en sorte que ce n'est pas l'État où les bails affectent passer. Et vous avez moyen pour ça? Moi, j'ai un bacolo 2, moi, j'ai un bob 4 qui pas suffit, mais il fait que nous travaillons. Nous avons un citoyen là qui est allé dans une émission sur radio, par contre, autorisé moi citer lui. Il dit c'est il a une possibilité, il a fait un cadeau de camion bascule. C'est mon seul problème dans Carrefour, dans Méria, dans minimum équipement de Méria, c'est en absence de bascule. Le citoyen c'est Joseph et c'est ma cité non, c'est Jocelyn Joseph qui vit à Boston. T'as l'air là qui dit que la fermé pour travailler on a fait déjà en si peu de temps et ça ne qu'on fait déjà. Pour un gourmand, il veut que nous gagnions par rapport à deux jours gestion, nous fait de ville là par rapport à ça qui passe là. Nous avons fait nos cadeaux, deux camions bascule pour nous venir chercher. Donc, Wendel, la pluie a toujours tombé. Quand il a toujours inondé parce que nous n'avons pas qu'à foncer des bagages aujourd'hui. Mais la présence de la mairie pour le porter secours pour intervenir avant l'État, nous avons fait le même genre aujourd'hui. Nous avons doté de moyens avec l'argent taxe que nous avons payé pour nous faire. Et c'est ça. Ensemble commun nous voilà bataille puis aux possibilités même si tout pas capable mais c'est vous êtes idéal c'est ça avec ce corps pour construire projet ou faut quoi d'abord sous recette
propre ville là. Et c'est ça problème qui est dans le pays là. L'État va faire tout le bagage à la commune. Pour le milieu dans le monde entier, on ne peut pas croire sur l'argent blanc pour faire développement. Avec 600 000 habitants, avec 70 000 propriétés bâties, qui c'est base pour nous faire COB au titre de l'impôt locatif, soit by service ou inspirer confiance, ou c'est toujours dans les 70 millions, on peut passer à 200 millions, à 300 millions. C'est je dis à Delmas, c'est 425 millions de recettes. Pétionville, c'est entre 150 et 200 millions. Donc, nous avons une possibilité de foncer des bagailles. Ça, pour nous faire comme magistrat, c'est éviter que nous ne mettions trop de monde dans le milieu qui va travailler. Parce que Massana y a là, il empêche que le milieu dégage des économies pour investir pour assurer que le service en l'autre côté. Comment est-ce que vous êtes jeune? Nous avons 565 environ. Et combien de besoin pour le fonctionner? Bon, question ça, nous toujours posé. Moi-même, qui ai 12 ans dans le milieu, ce n'est pas comme ça que vous posez. Vous posez des questions. Hein? Et en termes de masse salariale, pas en termes de personnel, nombre de personnes. Ça veut dire qu'on va renvoyer les personnes nous-mêmes? Vous dites que les personnes, plutôt. Vous voyez tout le monde aller? Nous faisons cellule réduite de voirie et de fiscalité. Ça fait que la protection civile, les sapeurs-pompiers, voirie à travail opérationnel. Parce que ma paye 6,5 millions de gouttes, pas même gagner 100 personnes qui travaillent sur 625 ans. Mais c'est du gaspillage des ressources de la ville. Donc on va payer taxes. Donc on va tout le monde aller. Bah oui, mon talent, on va faire une restructuration. On va faire mise en disponibilité. On fait une mise en disponibilité. Oui, mais en Haïti, nous comptons sa mise en disponibilité, veut dire. Non, mais on commence à les monde. Parce que quand plus mon job qui est en mine dans le meilleur, comment faire qu'on est. Faut quand même camper d'abord. Et puis me les monde, on me fait interview avec eux, me poser des questions, moi que ça va faire, qui formation, qui utilité. Mais c'est ça toute grande entreprise fait. Au gars d'abord ça. Ah bien sûr, c'est ça mais. J'ai une référence. C'est quand même, je dis au monde ça, je suis fier de ça. Les gars disent, mais ça n'a pas de maïs, ça oui, mais je dis, il a réussi. Donc il faut le suivre. Hein. Là où ça brille, il faut aussi chercher sa part, sa place aussi. Ça n'a fait pour me réunir avec le directeur de l'école communale, pour me poser des questions. Mais c'est ça, oui, mais pourtant. Moi, je voyage, je m'en fais besoin. Non, non, là pour m'entendre, si je suis gestionnaire, et gestionnaire mieux. Je définis politique ville là, même je gère tout. C'est gestionnaire privilégié. Donc, si c'est gestionnaire, il faut me présenter tout. Je me dis, gouvernement de proximité. Je suis absent fortement là. Je dis effectivement une nouvelle responsabilité comme président de l'association des maires de l'Ouest. Il y a 20 communes. Je vais essayer de travailler ensemble avec eux pour voir comment l'État peut aider, comment il peut jouer une autonomie. Oui, le développement, inévitablement, il est obligé de passer par les mairies. Par les mairies. Ça fait que je dis, nous avons deux bagages dans la bataille sous lui. C'est la décentralisation qui doit être effective. Et la participation politique de la diaspora, quand il y a une crise dans le pays, que la diaspora a l'argent chaque fois qu'il y a besoin, chaque fois qu'il y a une élection et activité politique, qu'il exclut. Et puis, il y a une c'est ça, une bataille que, au niveau de la Fédération des maires, au niveau de l'association des maires, pour nous-mêmes, tout nous réclamer, parce que nous avons un débat politique là, pour nous faire intégration de diaspora. À la content, mon qui est dans la diaspora, à la content, il est content de l'entendre de dire parole. Oui, mais c'est l'ensemble des maires qui vont le faire. C'est ça. Ce n'est pas seulement au Green Moon, non, nous allons le faire fédération, nous allons le faire association maire. Dit que, attention, regardez cette diaspora qui est là, qui est de camion bascule. Oui. Combien de diaspora qui est dans la commune par eux? Mais ils ont peur. Ils payent, alors que c'est eux-mêmes qui investissent 2 milliards, alors qui transfèrent 2 milliards de dollars. Ah, mais c'est ça, je veux dire. Tu parles ça, fait mal. C'est clair, c'est pas une démagogie. C'est pas une démagogie, c'est une démarche qui a du contenu. Nous voulons que nous-mêmes, dans la collectivité, nous fassions promotion de la participation politique de la diaspora, parce que le rôle financier majeur est joué. Nous n'avons pas qu'à catégoriser sur le financement seulement. Nous avons un rôle par rapport à jouer dans l'avenir république. Maïssa, Maïssa Edouard, question de transport. Bon, c'est le troisième point, c'est la lutte contre l'insalubrité, la promotion de la sécurité publique et la lutte contre l'embouteillage. Je suis de pendant 20 dernières années, il y a une stigmatisation, ça. Ville embouteillée, blocus, ça. Je me souviens, j'ai dans l'université d'Haïti, ou même qu'à causer avec une demoiselle qui va habiter Carrefour. Alors, c'est Carrefour réputé comme un côté de jeunes gens, tout ça. Ou même qu'à filer, ou même qu'à causer avec l'un d'elle. Parce que, de manière si vous soit vivre Carrefour, pas capable. Gêne que nous gagnons dans l'université parce que justement, comment on a fait venir la caillou? Parce que pour nous, on a menti. Puis nous, on a fait, c'est Carrefour, l'habité, ça fait la route. Alors, tu comprends? Qu'est-ce qu'on dit ça? Mesdames ou bien monsieur? Mesdames. Même le papa n'est pas venu à Carrefour. Moi, j'ai une fille dans la période ça. Je l'ai dit, 97, 2003, dans la période ça, je suis une fille dans l'université pour la caillou Carrefour.
Nous quand sorti, c'est à pied nous fait depuis notre doigt à pied nous pour nous arriver Cafoui. Là où bloqué de l'eau. Mais c'est vrai. Et on a vécu ces moments difficiles. Et je dis à aux hommes des possibilités pour magistrat, pour magie sous stigmatisation ça yo. Ça fait nous dire mais il pas autant, il pas autant. Je dis pas autant. Parce que non parce que justement sous président Martelly, président Préval te font un projet président Martelly venir exécuter qui était visé à grandir route Cafoua. Problème ça vient pas poser encore. Le problème rail là. Route des rails répondre à bah réponse à ça. Ça me dit c'est après ça pour déraille c'est avant hier. M'a pas le même ça gagne 14 ans, 15 ans, 16 ans que laisse aller dans l'université là, en Félix ce dans l'université là dans droit, dans économie et que ça t'est qu'on poser et tout jeune garçon qui a fait une période ça, jeune fille qui a fait t'est qu'on paye conséquence là et que j'ai obligé de l'habiter là. Mais quand j'étais bon, on était obligé prendre mesdames qui est exactement dans le même côté avec nous. Obligation ça. Yeah. Vous comprenez? Mais ça nous fait route là. On est obligé de garder l'autre côté. Nous faisons déjà marcher. Ouais, mais nous avons question de stigmatisation majeure. Et je dis, il y a des gens qui arrêtent dans l'esprit. Par exemple, Matisse passe au Cafoua. Est-ce qu'on connaît Matisse passe au Cafoua? Est-ce qu'on connaît que Cafoua commence à partir de Fatama 43? Bon place là. Mais marcher Fatama passe au Cafoua. Mais Matisse en bloqué, il dit Cafoua, il dit route de Cafoua. Oui. Donc nous payons de ça. Ça fait nous prenons une intercommunalité avec magistrat Yuri Chevry pour ensemble nous mettre moyens pour nous gérer Matissan, pour nous gérer Blocista, gérer Fatra. Parce que justement, nous avons des problèmes transversaux, des problèmes communs qui sont liés à gestion Carrefour, gestion Port-au-Prince, et que nous, dans l'esprit, nous ne connaissons pas que Matissan passe au Carrefour, mais nous payons les conséquences, rentrer ça. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un embouteillage, chaque fois qu'il y a une sécurité, il dit Carrefour bloqué. Effectivement, c'est la seule voie par laquelle il faut passer. Moi, oui, que nous entendons, apparemment, bon, bien qu'en général, nous avons un plus gros problème, mairie qu'on a, c'est division entre les membres des cartels. Et avant de poser la question, qui ont une relation amorcée, est-ce qu'il y a un problème qui est déjà amorcé, mais c'est pas une bonne réponse avec franchise. Pas rien qui est amorcé en nous mettre en parce que le cartel là toujours un problème. Nous n'avons toujours pas entendu. Oui, c'est ça. Avant de répondre, ça fait nous tellement conscients de ça au niveau de la FENAM. Comme le président de l'Association des maires de l'Ouest, donc automatiquement membre de la FENAM, nous allons créer une commission de conciliation, de résolution de conflits. Parce que Pigou menace pour échec en cartel en Haïti depuis 91, ces divisions entre membres cartel là. Comme si ils reconnaissent ça, on y habitat et font études, ils ont trouvé ça, nous avons réflexion sur le YOL et mécanisme de résolution de conflits pour maintenir justement la paix dans les cartels, et bien au final nous allons faire. Mais bon, beaucoup de pas, beaucoup de pas, on va sentir à venir. Absolument. On ne va pas sentir rien, aucune discussion. Bon, je vous dis ça, gagne, par exemple, ça t'y a venu, parce que lorsque je prends des élèves, je n'ai plus de monde qui dans l'élection sans m'avèle. Tout le monde a besoin de travailler un seul coup. Moi-même, je n'ai pas fait nomination jusqu'à ce que octobre privé, parce que je n'ai pas l'argent pour me payer. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de monde qui ne pas comprendre ni comme ça, parce que le fonds de l'argent pour investir. Donc, c'est communication que pour faire, c'est dialogue qui vous gagne avec magistrat, parce que toujours penser que m'ka fait unanimité ou bien yo ka fait unanimité c'est capacité de nous faire dépassement de soi pour nous d'abord au Carrefour moi me senti qu'il y a des problèmes qui commencent à venir parce que mon a besoin de nommer 5 moun et pas les cap signer les nominations c'est moi seulement qui signer les nominations or c'est deux moun qui prend donc faut me combattre pour me dire par le dialogue que m'ka prend 5 moun et deux moun qui prend mais trois moun ça parle en face l'autre maïs ça que m'ka prend donc il a besoin justement et déverser et Billy Soumouin, parce que c'est même l'autorité pour me signer. Donc, je pense que ça, nous-mêmes, nous avons obligation de dépassement de soi pour effectivement nous faire en sorte que le problème ça résoudre. Ok. Est-ce que nous pas commencé à réfléchir pour adresser problème circulation, problème transport? Il y a quelqu'un qui dit que gagner une voie jusqu'ici non exploitée, qui c'est voie maritime. Pour qui ça, par exemple, ils n'ont pas qu'à sortir sous bicentenaire pour traverser la mer ou arriver Marianne. Bon, c'est le troisième point projet moi pour Carrefour, c'est lutte contre l'embouteillage là. C'est pas on s'embarque là, nous programmons justement une deuxième personne sur la 43. Pas même pour combien besoin sur la mer Wendel. Pour qui ça, sur la 43 pas tout percé par Bizoton, il y a le tomber et Dikini, la rivière froide dans Marianne. C'est possible donc. Ou qu'à sortir là avec directement basé Matissan ou aller dire Carrefour directement Carrefour, c'est possible. Moun dit qu'on Carrefour. Ça son projet, bon c'est gagner 10 ou 11 ponts étudiaux révélés qui pour construire sous lui. La mairie de Carrefour pas gagner l'argent pour le faire, mais nous pas le faire promotion pour ça. Projet exploitation voie maritime là, il existait déjà Carrefour, c'était les taxis sous de l'eau.
et en pile monde sorti quand sorti la montagne directement il descend à APN là il pouvait faire affaire. Malheureusement tu comprends ça, tu as un problème entre APN qui devait les surtaxer, me songer et exploitateur et monsieur était venu faire faillite, il était venu aller. Mais récemment me gagner même citoyen ça par entremise de on l'autre ami qui t'a intéressé avec un ensemble d'investisseurs vini et Carrefour pas qu'à décongestionner si nous pas exploiter. Le président Jules Célestin dit un bagaille. Candidat à la présidence Jules Célestin dit un bagaille dans l'émission de avec Valérie Numac permettre que moi faire un d'elle l'émission ça moi MTP il dit que lui même dit un projet de en ligne train sur Carrefour pour décongestionner Carrefour. C'est pas elle qui dit que c'est lui qui prépare même projet ça président préval sous aéroport sous aéroport sous Delmar et que je dis à l'égard d'un cahier l'agenda un projet pour faire une ligne train sur Carrefour effectivement ou pas qu'à gagner Carrefour étudiant révèle les gains 650 000 monde qui traversent Carrefour chaque jour ou pas qu'à faire l'anti camionnette notre aide et c'est une concession pour l'État haïtien avec Mirio fait un film qui a exploité pendant qui a exploité pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui, mais il y a des gens qui critiquent autour. Il y a des gens qui fait 12 ans dans mairie, qui sont quittés, qui sont faits. Oh, ben, si je n'ai pas gagné l'élection, c'est pas de fin. Je fais 10 000 voix, je fais 3 000 voix, je fais 4 000 voix. Mais il faut cela, il faut cela. Il pas de zombie qui te vote même. Zombie. Zombie pas voté magistrat. Zombie vote, le président ne va pas gagner le café pour moi. C'est la population qui croit dans le monde, qui vote. Nous réponse là. Nous faisons 5 ans de général, nous faisons 2 ans dans transition. Mal dans l'élection, maintenant parti pouvoir. Voilà, c'est bagné accès tout ça. Ou tout font accusation là. Non mais c'est non. Ou du pas dans parti pouvoir. Non, je connais que là mon sous pouvoir, il toujours critiquer que c'est les moyens l'état là même qui à disposition tout ça. Et pas le président Jovenel. Jovenel c'est ça qui fait critiquer Jovenel parce que vous pensez que c'est moyen l'état qui fait le gain, mais non, c'est pas vous pas comprendre. Jovenel c'est un bon projet porteur, on va comprendre, mais c'est ça que nous faisons. Nous ne pouvons pas arrêter en dehors de débat ça. Nous sommes d'accord que les gens sont sous pouvoir, les vérités sous pouvoir, pour ensemble de moyens, l'État, les tentatives pour s'activer le président Jude Célestin en 2010. Alors Jude a été un très bon candidat, mais Jude a gagné l'élection en 2010. Tout le monde pense ça. C'est pour qui ça, il fait un mouvement contre lui, parce que vous pensez que le président Préval dépend tout le monde à l'État. Investi dans l'État. Donc ça veut dire que les zombies haïtiens ont tellement éclairé, ils ont fait la part des choses. Zombie a dit que lui n'est pas voté pour. En commune, le président fait 60 000 voix, le magistrat fait 10 000 voix. Vous ne pouvez pas comparer. Est-ce que vous comprenez la logique là? Oui. Non, ça veut dire que zombies ont évolué, zombies ont éclairé, ils ont fait la part des choses. Donc, ils ont dit qu'il a voté pour le président, mais pas voté pour sénateur, pour député, pour magistrat. Bon, question zombie, ça, tout. On ne sait pas, nous, recusés, ils ne connaissent pas. On est sérieux. Magistrat, projet train, projet. Bateau, est-ce que par exemple, un projet téléphérique, par exemple, pour qu'il t'a relayé, qui t'a interconnecté, qui t'a connecté Pétionville, Delma, Centreville, et pourquoi pas Cité Soleil, Carrefour, par exemple. Possibilité ça, on va entendre évoquer, étudier avec collègues magistrats. Peut-être au monde qui a dit pour un magistrat qui a fait du lait, qui est un peu. Qui utopique, voilà, qui n'a pas réalisé ça, effectivement, c'est l'initiative du gouvernement central. Alors, c'est prérogative du gouvernement central. Nous-mêmes, la mairie, nous a proposé, mais nous n'avons pas de possibilité, nous n'avons pas faire contrat avec une série de films. Vous savez, le niveau de contrat international, nous n'avons pas cher, magistrat. Pas cher? Est-ce que vous n'avez pas cher? Ça, nous tellement accepté avant, ce principe-là. Par exemple, nous programmons là pour nous mettre un poste de péage sous Mariani. Nous programmons, vous mettez au poste de la Zomaya. Ou alors, vous plus bloqué, toujours fait le même sujet. Ou réaction. Alors, ce que ça nous a besoin de faire, c'est jouer un agent progressif pour Carrefour, jouer une possibilité d'intervenir parce que l'État n'a pas intervenu sur zone ça encore, quasiment. Non, mais laissez-moi mettre. Il faudra avoir plusieurs possibilités. Où est ça? Plusieurs possibilités, c'est-à-dire que. Ça veut dire, si vous avez un taxi sous de l'eau, et ça, ou pas qu'à entrer en contradiction avec. Ça n'a pas dit, hein, Wendel. Non, pas en contradiction. Voilà. Du coup, droit de péage là, d'ailleurs, sans droit de péage, je dis en là, par contre, si c'est une route qui part, on fait ça, avec des ordres chauffeurs à faire, sans droit de péage, ça qu'on arrive, tout ça, c'est pas la pluie non plus, et puis, on ne fait pas qu'être en Marianne est bloqué. Voilà. Il ne faut pas avoir bloqué ça en lui-même comme handicap. J'en dis là, c'est les chauffeurs qui ont un mauvais comportement. Mais nous ne pouvons pas accepter comme ça, il faut nous faire effort pour nous changer. Mais tout d'accord avec que je dis là, dans le transport en commun, pas gagner qu'à jeune commune et municipalité. Bon, ville quoi, ville au Cap.
on ville quoi ville au caï monsieur magistrat va supposé bloqué pour l'argent tout trafic ça a fait sur lui dis-moi qui ça fait dans circulation car jeune mairie rien du tout oh il supporte toutes conséquences Mendel même si ça faut pas faire mais faut gon mairie dans pays a qui institue le poste de péage pour jeune agent pour investir gon fond d'entretien routier c'est l'état central qui dirige mais faut gè bagarre pour mairie tout faut nous pas avoir problème yo comme si sans solution taxi sous de l'eau si mon taxi sous de l'eau sous carrefour ça va ça va faciliter que mettre poste de péage parce que c'est une solution alternative pour monde qui pas veut d'accord donc c'est ça Mexico donc c'est la globalité il y a deux bagages là Wendell et me voulait franchement d'content nous font discuter sur lui parce que c'est sous sauf que nous n'a privé dans fin émission on déjà voilà. La fin on a eu possibilité parler de lui voilà et ça fait nous voulait me sentir que l'émission va le finir mais mon parole justement que magistrato pour nous parler pour collectivité là pour question sur financement collectivité là il y a émission de la Fontaine Joseph qui font plaidoyer aux plateformes de plaidoyer sur question financement collectivité yo que il y a un budget dans république dans budget public là il y a un fonds qui alloué à financement collectivité me voulait remercier publiquement le travail il fait travail comme n'en fait pour faciliter que l'État prenne conscience de l'importance ça gagne pour mettre budget, mettre crédit dans le budget public là pour communion. Est-ce que qu'on est Wendell depuis 87 nous opté pour un nouveau paradigme, une nouvelle forme de gouvernance qui c'est la démocratie. Et la constitution elle-même, il y a une vertu moins comme intellectuel moins connaître les gagner, c'est l'introduction de la décentralisation comme nouvelle approche de gestion de la chose publique. Mais il dit que la répartition des compétences entre l'État central et les collectivités entraîne immédiatement la répartition des ressources budgétaires de la République. Mais depuis 1987, pourquoi la Chambre de loi de finances qui votait, côté que gagne 11 centimes, un chapitre qui parlait de financement des collectivités. Nous venons là aujourd'hui à tout Wendell pour nous dire gouvernement, pour nous dire président, premier ministre, non, ensemble ministres, que l'ensemble des 140 communes, nous, pas d'accord que commune pas comme dans budget public. On va parler de 10 millions de gourdes qui habitent bail là non, mais financement propre au niveau du budget de la République. Nous mandé parlementaires nous yo et sénateurs députés pour pas jamais voter un budget tout le temps pas un chapitre que gouvernement créé qui relève financement des collectivités, sections communales, communes et départements. Lorsque... Mais pour que ça ne va pas renforcer ce truc, c'est pas nous, plutôt pour rentrer comme ça. Parce que si on dit que l'argent circule, que nous organisons, nous faisons droit de péage, et sanctionner. Excusez-moi. Ça, c'est l'État. Non, excusez-moi. Vous faites ça pour rapide. Non, je vous pose la question. Ça empêche, par exemple, nous sanctionner les gens qui ont jeté Fatra, nous prenons comme ça, nous faisons payer une amende, et puis nous affectons la bagarre ça. Là, ça, on parle de taxes communales. Par exemple, l'article 217 de la Constitution, et nouvelle, alors, l'original version, première version, dit que les finances de la République sont décentralisées. Ça veut dire que les ramassés comme la Carrefour, Delmas, Cité Soleil, Okaï, Marigot, ils ont ramassé l'Esther, ils ont ramassé les Bélans, ils viennent dans la caisse de l'État. Mais ils ne peuvent pas arrêter pour le point seulement. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un droit de ministre pour que ça c'est ministre qui a dépensé comme l'État. Comme communion? Pas comme communion, comme l'État. Ah, ok. Comme l'État. Comme l'État, il prend toute commune, toute section communale. Oui, donc on parle même pour. Il faut briser ce paradigme. Il faut le briser et c'est l'avenir de la République. Il faut le briser, c'est l'avenir de la République. Où est mon problème pour intégrer diaspora dans la décision? Nous-mêmes, nous parlons de bataille là, au niveau FENAM, au niveau association départementale, pour effectivement. Nous créons un fonds de la diaspora pour participation de la diaspora à tous les niveaux de la gestion municipale. Pour venir investir. Je dis à un fonds de gestion. Nous parlons pour créer un fonds de la diaspora. Un fonds. Pas de problème. Fonds, effectivement. Je ne mal entendu. Voilà, pour nous battre avec vous. Parce que toi. Et monsieur, que si mal entendu, il y a l'autre qui mal entendu le tout. Ah oui, quand même. Non, non. Un front, peut-être que c'est ça. Mon lapsus. Un front. Avec la diaspora. Non, c'est plus que c'est moi qui mal entendu. Ah d'accord. Alors, on front avec diaspora parce que l'avenir public là dépend de deux entités. La gestion, les collectivités et la participation de la diaspora. Il n'est pas possible, Wendell, pour éducation, constitution fait de l'éducation, on charge de l'État et des collectivités territoriales. Dans 22% budget qui a lieu à l'éducation, pas aucune commune qui même n'est un professeur. L'État a payé pour dans l'école communale. Comment fait yo d'accord que il y a 11 champs de compétences qui dévolu aux communes, pas gain un centime pour lui. Comment ça décentralisation dit que pour chaque compétence,
supposé qu'il y ait moyen pour l'exécuter. Mm-hmm. Pas un centime dans le budget de l'État qui a gagné pour ça. Je suis bien content que moi, suis magistrat, dans le gouvernement de transition, qui a gagné parmi les figures les plus remarquables du mouvement pour la décentralisation. Jocelyn Privert, comme un théoricien, écrivain sous le design, et professeur Yannick Jean-Charles, qui écrit sur qui gagne le livre administratif, qui parle de décentralisation, comment elle doit faire, différencier gagne en décentralisation de concentration et comment le penser. Bien content que gagne Jules Senatus comme directeur général des collectivités électorales au ministère de l'Intérieur, et Père Annick, et Harry Voltaire comme secrétaire d'État. Moun sa yo fè zamyo deja la dan, je di a ou se décidé. Ou se fè anik, c'est le ministre intérieur. Ouais, c'est le ministre intérieur. Mm-hmm. C'est lui-même qui est en charge de la politique de décentralisation du gouvernement de la République. Mm-hmm. Okay. Et l'autre de la palais, moun senti que nous content de ça. Parce mm-hmm. qu'il faut d'abord le discours politique. Hein. Ouais. Après les actions, viendront, hein, effectivement. Ouais. Faut nous mettre association yo, nous c'est des syndicalistes, hein, et pour nous bataille pour discours y atterrir. Chaque fois, le président, après qu'il y a de charge qu'il nous soumette li dans le forum, il prend engagement pour l'accompagner. Qui est le fond dernier demande, magistrat, parce que nous devons définir. Moun Carrefour, yo kap tando la, et moun qui a passé Carrefour, qui a traversé Carrefour pour aller dans 5 départements, quoi, Nip, Sud-Est, le Grand Sud 4, le Grand, bon, 4. Et l'Ouest fait 5. Au c'est carrefour ça. De 5 départements. Au carrefour de 5 départements. Dis-nous, magistrat, avec minimum moyen que Carrefour gagne, masse salariale est tellement volumineuse, tellement importante que l'empêcher que nous avancer, faire progrès, réaliser des projets, ou prendre décision pour pas qu'imbait toute quantité de monde qui apparemment c'est pas qui pas tape travail, qui tape touché. Ou prendre des dispositions et ou pral faire commune fructifier. Quel changement évident qui pral opérer dans la commune de Carrefour et que tout le monde sa là pral capable observer ce changement dans les 6 prochains mois. Qui ça n'a ouais, qui ça n'a capable ouais, qui ça monde Carrefour pral ouais, qui ça monde cap traverser Carrefour a ouais, on dit dans environ 6 mois, magistrat. La ville sera propre. Pas aucune fierté pour un magistrat civil ou pas propre. Ça que fait, je dis, on dit que le magistrat a une obligation pour rapatrier les compétences de gestion fatra à la CAIO. Pas quitter mon abdi, CSMC, RS, CCNE, ce machin. Pas du tout. Je dis, pas dépendre de personne pour qu'il soit fatra. Ouais, j'en veux propre. C'est modèle ça pour nous suivre. CMC RS fait dans une période côté que Mirio, pour qu'on ait un budget pour qu'on autonome. Lui fait, je crois que c'est en 82-83. Quasiment au même moment que Delma, Carrefour élevé au rang de commune. Donc ça veut dire que l'été a une importance, c'est ça. Basique, alors l'été a une importance, c'est relatif. Je veux dire, SMCRS, 14 jours de travail. Mm-hmm. Mais il faut compétencier, clairement, repenser entre mm-hmm. SMCRS et Mérica Fou. Mérica Fou pas de gagner l'argent dans la période que l'été a une SMCRS, mais l'été a une 90. L'été a fait par exemple 500 000 gouttes. Je veux dire, il fait 80 millions. Delma, pas de cogé corps, qu'on a fait 3 millions, qu'on a fait 425 millions. Est-ce que vous comprenez? Donc, SMCRS gagne aujourd'hui 4 ou 5 camions, Fatak pas même suffit pour Port-au-Prince. Alors, ce que quelqu'un faut se contre lui, Petit veut se contre lui, Delma se. C'est pas possible. Donc, il faut nous repenser Bayo parce que 30 ans, 35 ans après, on décision pas qu'à gagner même force. Ça, il faut nous repenser pour nous bailler SMCRS. Plus moyen tout, parce que nous pensons qu'il n'y a pas de moyen, même pour faire gaz. Qu'est-ce qu'on a fait avec 5 camions pour tout Port-au-Prince? L'autre bagage en commun, c'est important. Je ne veux pas parler de Carrefour seulement, Wendel, parce que le problème de Carrefour n'est pas résolu définitivement si le problème de notre commune n'est pas résolu, Wendel. Mm-hmm. Compris ça, gouvernement haïtien, l'État haïtien n'a pas un site, pas une usine Fatra. Mais il faut nous parler de ça, tout communaliste. Mm-hmm. Moi, j'ai la ville de la Martinique, j'ai une coopération décentralisée avec Carrefour et la Martinique. J'ai visité 2 usines oui, pour une population de 40 000 habitants. Seul la Martinique, oui, 40 000 habitants, oui. Nous avons 3 millions de personnes, Wendel, pas un site Fatra, pas une usine Fatra. Ou bien comment nous avons à Avenue Bolos. Et mon travail quand travaille avec le ministre, avec le président, quand il a acheté manger. On est le market seulement y aller. Même mon market, quand il a acheté manger. Et sur Avenue Bolos, oui, c'est sous quoi des bourses à acheter. Oui. Mm-hmm. Alors vous acceptez que pas une usine Fatra dans le pays, combien l'argent ça a coûté? Nous, si la Martin, il y a 2 usines. Ou un fissement technique, ou une usine moderne. Mm-hmm. Donc je dis à ne pas gagner. Et dans le dépôt 3, 6 soleil là, vous faites 6 soleil tourner, dépôt 3. Alors que vous n'avez pas investi dans le même espace, vous faites une grosse usine. Mm-hmm. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas de dirigeants qui ont deux mains, et là, je n'ai pas gagné. Bon, Maïsra, je dis, dans la réunion de guerre avec la primature, avec le ministre, ça, c'est important, Wendel, pour me parler parce que c'est avenir. Nous n'avons pas gagné aucune fierté dans Port-au-Prince. Mais on pose une question. Si le problème Fatra n'a pas résolu,
et pas qu'à résoudre tout ton transformation fatra en bien économique qui vient rare. Magistrat Jude dit dans réunion dit magistrat Jude ça dit tellement bon mais il m'a prêt pour le bail 1 million de dollars américains si le gouvernement décide faire usine fatra. Il semble bataille dans l'ouest là avec Fenam dans les associations de l'ouest pour nous faire en sorte que comment, ça fait comment ca bail au même. Bon on va regarder mais m'a bail quand même. M'a dire m'a bail quand même. Bon 1 million même. M'a bail quand même. Non pas bail 1 million de dollars parce que recette moins 70 millions. M'a bail 1 million de dollars faut on est honnête. Mais je dis c'est 425 millions 450 millions le cabali et c'est un bon geste que nous même dans nos domaines oui, nous a commencé financer. Donc ça nous voulait que bon usine fatrak fait dans pays là dans l'ouest là. Pour ce soleil, pas de pour 3 seulement, pour qu'on espace, pour créer un emploi, pour rendre fatra comme bien économique. Et les gens qui vendent dans le marché Salomon, dans le marché comment, et Bolo, Avenue Bolo, ce matin, passé là, monsieur. Mais ça, c'est une honte pour la République. C'est une honte pour la République. Pour les dirigeants. Quoi pour, ça? Pour les dirigeants. Pour les dirigeants, mais vous avez un manque de fierté pour les citoyens. Loi la Paris, vous les dirigeants, vous même comme haïtiens, et c'est ça représenté dans la télévision, vous même quand vivre. Et pas aucune fierté pour nous. Ça, comme dit, monsieur, pas comment ça va passer dans le pays. Mais moi, le Premier ministre, moi, le président privé, moi, le ministre Yannick. Je suis à monsieur et nous-mêmes magistrats pour nous garder qui possibilité de gagner avant longtemps pour nous poser première pierre construction dans une usine fatra dans le pays pour nous faire respecter nous comme dirigeants, comme haïtiens, parce que pas aucune fierté, même diaspora a contribué à ça. Ce n'est pas possible, pas aucune considération, je prends de un dirigeant politique, je dis à un monde qui a décidé dans l'État, qui pas reconnaître qu'une usine fatra sur bagay important, important, même avant l'élection, même avant toute bagaille. Même Jean-Jose dit alors, on m'a souffert par caritaté. C'est pas comment ça possible, monsieur. Si on couvre comme on souffert, nous très l'aide, nous très l'aide, et que des bagailles que nous avons fait immédiatement, c'est ça m'a demandé pour nous faire, mais on usine fatra, dans le pays pour nous faire. Non l'aide, magistrat, non l'aide, mais nous combattons, nous seulement quoi, là dedans nous quoi dans le maquillage. Mais nous même médias autour ouais nous qui tellement de force Wendell si nous faut ta force nous même médias on a bataille chaque dirigeant vient côté nous qui médias tout médias tout médias même quand travail ça fait ici là mais entendre nous nous sommes quatrième pouvoir nous disons quatrième pouvoir malgré je dis à le pouvoir local là pas le quatrième place ça on est 5e ou 3e nous pouvoir local non nous pouvoir local non non Wendell ça on c'est parenthèse mais pensez que Wendell faut aider nous un magistrat, pour nous miser le gouvernement, pour faire une usine fatra dans l'ouest, même si c'est un site côté de ce soleil, côté de là, mais au moins là, c'est job qu'a créé. Non, mais c'est belle bagaille. Non, attendez, bon, c'est une obligation. Attendez, magistrat, avant de finir, on dit que une usine fatra, c'est une entreprise, c'est un investissement pour faire. C'est-à-dire que nous avons des gens qui disposent d'investir l'argent pour ça. Mais nous-mêmes, tout déjà, il faut créer les conditions pour ça. Il faut créer les conditions pour sécurité. Il faut que nous connaissions que nous investi. Nous ne pouvons pas faire manifestation pour nous voir écraser le business et tout. Parce que ça, c'est les politiciens qui entretenus. Nous ne sommes pas obligé d'accord avec ça. Mais mettez les gens là où boule caoutchouc tout le temps, c'est ça qu'on peut pour ces investisseurs. D'accord. Donc sauf maintenant, que, sauf maintenant que créer environnement. C'est créer environnement ouais, pour gagner stabilité. Et c'est pour ça. Sauf que moi-même, je vais mal plus loin. Comme son préoccupation de sécurité publique, nous ne sommes pas obligés de retenir le secteur privé à l'investir dans l'usine parce que les conditions sont réunies. Même avec EDH, c'est 400 millions de dollars américains qui ont investi dans EDH. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais parce que c'est obligation. Il a toujours dit que l'État est mauvais gestionnaire. Voilà. Non, mais attendez. L'État a un partenariat public-privé. Il investit en partie, il confie gestion, il font mission, il font délégation de services publics, mission de services publics. Mais je dis à Mble ou d'accord avec Wendell que construction usine Fatra, non, est indispensable. Entendons avec monsieur plutôt pour au niveau de la région métropolitaine. C'est ça, oui, c'est pour ça. Pour créer environnement pacifique, ça, environnement pacifique et paisible, ça, propice à des investissements. Et puis maintenant, on va prendre une belle affaire pour compte, magistrat. Mais je dis, on l'a demandé à un étranger, ou dit, mettez l'opportunité qui gagne. Au moment de l'équipe, ou dit, c'est Haïti, gardez pour essayer de réfléchir en pile fois avant de venir. D'accord, mais est-ce que ça empêche tout l'État investi pour faire usine? L'État gagne, on va faire, mais il va avoir le même résultat avec ça qui gagne déjà. Pas forcément, ou qu'à fond l'autre modèle. Ah ben d'accord, l'autre modèle. Ah ben, félicitations pour vos bonnes idées. Je pense que mon cas faut qu'on suive la matinée, je suis très fier de un jeune magistrat qui a une pile d'idées, qui a une pile vision, je vais acheter figure, je vais dire, je vais là. Et je pense que le pays a besoin de monde comme ça, qui a des initiatives et puis qui ne peut pas faire des démagogies. Parce que je ne sais pas faire des démagogies. Jusqu'à ce que je me trompe, mais j'ai l'impression que vous passez matin et que vous n'avez pas de votre en vain. Mais je dis que vous allez voir le résultat de magistrat et dans 5 ou 6 mois, je vous invite là encore.
peut-être avant, pour nous garder. D'ailleurs, je vais faire une photo. Je vais éviter de pas passer par route des rails, passer en dedans et puis faire une petite inspection pour moi parce que je vais faire tout petit café. Voilà. Je suis content infiniment de la possibilité de recevoir, bien que c'est dans un contexte difficile, un contexte particulier de la boue, et avec une circulation qui est difficile, mais je pense que les jeunes qui votent, ils ont espoir dans vous, ils ont croyance dans vous. Maïssa, bon dernier mot en quelques dernier secondes. Dernier mot, Wendel, c'est dit merci à conseil électoral là, qui t'a accepté, qui comprend, le président Bélanger en particulier, malgré la pression qu'il était pour l'élection municipale, il était annulée. Il te dit que c'est pas possible. Léon Paul. Ah, dans pile monde, dans pile parti politique, tu as fait déclaration pour annuler l'élection municipale. Yo, c'est bataille nous te mené pour l'élection bail. Et président Bélanger, tu as une position ça. Depuis 10 ans, pas possible que seul meilleur élection pas faite, c'est collectivité. Yo, il prend engagement par résultat pour 140 communes. Yo, 139 communes. Il fait par résultat pour Chadonnière, Lascaobas et Croix des Bouquets, qui jeudi à Guémagistra. Yo, nous demandons tout, tant pris. Voyez résultat au bail président privé pour publier pour Chadonnier pour capable faire installation yo et pas oublier faire élection pour Côte de Fer, c'est seule commune sous 140 ans qui poko gen magistrat parce élection était annulée la donne. Je veux dire merci et ensemble collectivité yo magistrat yo faut mettre nous ensemble des possibilités pour nous faire l'état avec parlementaires mais avec yo pour nous faire l'état faire bagaille on l'autre gens parce que avenir public là dépend de deux bagailles fois la donne. C'est la décentralisation et la participation politique de la diaspora. Merci encore une fois, magistrat Jude. Édouard, n'a pas fini avec l'émission pour me dire que moi, je vois Wilson jeudi déjà, ou même c'est deuxième dans la région métropolitaine. Non. Bientôt, je recevoir Port-au-Prince, si magistrat février d'accord. Je vais recevoir Pétionville, je recevoir Cité-Soleil, je recevoir Tabac, nous faisons invitation déjà et, à Tabac. Donc, tout le monde parle de possibilité de participer dans le point. Et parce que j'en dis là, le développement paysan passé par le développement communal. D'accord, vous avez dit Wendel, il y a 10 départements, chaque département a un président. D'accord, on invite chaque président à venir parler paroles parole collective. Non, on a fait ça. Parce que nous n'avons pas au courant de ça. Donc, il y a ça, parce que il y a 10 départements, il y a 10 associations de maires. Une par département et gain FENAM qui c'est fédération qui coordonne qui m'a dit qui fédérer l'ensemble des associations et chaque département m'a passé par au même pas pour le seulement pas pour le seulement le ça pense que et comme question de proximité ouais bien sûr le stand nous facile d'accord on Walter Neo ou prend sud ou prend grand on fait ça nous connait déjà oui nous connaît ça sauf que pour ça parce que gain président parce que moi pense que même parole ça même gain yo gain le tout et lorsque plusieurs même l'évangile là merci beaucoup magistrat vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole notre invité ce matin le maire de la commune de Carrefour Jude Édouard merci de nous avoir accueillis chez vous passez une bonne journée avec Métropole. Et puis, Maïssa, combien de temps prends pour tourner à Carrefour? Qu'on est là, de dégager, voilà, un bon 30 minutes. Non, pas pour arriver dans 30 minutes? Non, pas quand même saute là. Non, l'on saute là, pour traverser Carrefour, pour traverser Port-au-Prince, pour arriver dans la commune. Je pense que c'est quand une heure de temps. Bon, parce que matin, je me dégage tout le voie, je me saute à Carrefour, je me fais 22 minutes pour me sortir là, quand même, pour arriver sur Port-au-Prince. 22 minutes. Ok. Parce que justement. Donc, c'est-à-dire que les gens qui viennent travailler, je dis là. Ils viennent, même 10 minutes, ça me s'est passé. Ce n'est pas une obligation pas prendre la rue parce que la rue est beaucoup bon. Merci. Il est beaucoup bon, le voir beaucoup dégager. Merci. Nous pouvons faire enlèvement, nous mettons Fatra, nous mettons Remblay dans le coin, nous faisons enlèvement à demain soir jusqu'à ce qu'on finisse. Donc, c'est un monde, ce n'est pas une obligation pas prendre la rue sur Carrefour parce que nous avons travaillé. Mais vite travail. Merci, Maïssa. Voilà, madame, monsieur, rendez-vous demain. C'était un plaisir d'avoir le maire de la commune de Carrefour, Jude Édouard. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC.